Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre de comprendre l'utilisation de la fonction NB CRESOLVE ouvrez point Intel. Elle permet de faire quoi cette fonction? Elle va nous permettre d'avoir le numéro de série d'une date située entre une date de début et un nombre de jours ouvrés avant ou après cette date avec des paramètres de week-end bien personnalisés. Je pense qu'on va mieux comprendre cette définition avec cet exemple. Ici, j'ai des intérimaires. En fait, ça, c'est les intérimaires qui sont là. On a l'heure de devis qui sont là et on a le nombre de jours qu'ils ont travaillé, sachant que leurs week-ends sont lundi et mardi. Et moi, ce que je souhaite avoir ici, c'est le dernier jour qu'ils ont travaillé, la dernière, en fait, les dernières dates qu'ils ont travaillé. Je vais utiliser la fonction 7 jours ouvrés ici, point Intel. Là, je vais prendre ma date de devis. Je vais me mettre ici avec mon clavier. Je descends d'un pas pour prendre le nombre de jours. Je vais choisir. Parmi ces références, je vais choisir la référence numéro 3, comme je l'ai dit au début, le week-end sont lundi et mardi. Et ici, je vais prendre les jours fériés. Sachant que les deux derniers arguments, qui sont le nombre de jours du week-end et les jours fériés, sont des arguments qui sont facultatifs. Voilà. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et là, je tombe sur 18 juin 2022. Sachant que 18 juin 2022, c'est la date correspondant au 18 avril 2022, plus 41 jours ouvrés, en comptant uniquement les lundis et mardis comme jours fériés. Là, je glisse ma formule. Je viens d'avoir les autres résultats pour mes autres intérimaires. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.